Bon, ton gars, Dr. Umar Johnson, encore frappé. Ouais, évidemment. Je laisse regarder la vidéo. And I'm telling you, black men are responsible for her being masculine because we have not helped her raise them children. I am not. And when I say help them raise them children, I don't mean you as the stepdad. I mean you as an active member in the community. She got masculine because she had to become masculine in order to deal with the rape, the abuse, the domestic violence, the disappointments that men had in her life, and also raising those kids and have to take care of herself all at the same time. The black woman has been the be-all, end-all in our community for half of a century, and now we want to turn around and say because she didn't do it perfectly enough or remain feminine enough when she had to absorb our responsibilities plus her own. That's insensitive and disingenuous. Du coup, en vérité, parce que ça concerne tout le monde en fait. Ok, c'est là bon, précisément parce que lui il est fixé sur Black Women, mais de toute façon, on sait que de plus en plus les femmes sont masculines. Ok, donc apparemment, c'est la faute des hommes. Voilà, t'étais pas au courant, mais mon gars, faut être à l'affût, faut te tenir au courant. Donc oui, c'est ta faute. Donc c'est la faute des hommes si aujourd'hui, bah, les femmes, parce que les gars sont pas là, voilà, parce que du coup, comme il y a beaucoup de familles monoparentales, bon ben bah, voilà, c'est à cause des hommes. Hein, en sachant que même si on rentre dans son argument, 80% à 90% des divorces sont initiés par les femmes. Voilà. Donc malgré ça. Même si c'est leur choix de divorcer et que du coup bah, la famille est séparée et on le sait tous, bah, c'est quand même mieux d'avoir les deux parents pour l'éducation d'un enfant, bah, ça reste quand même notre faute. C'est quand même sous notre responsabilité. Elle prend une décision, mais c'est la responsabilité des hommes. Voilà, sache-le. Et je vous vois venir, ouais, mais si jamais le gars il te frappe et tout. Non, les divorces, va sur Google, regarde les raisons des divorces, c'est ça s'ennuie. Il n'avait pas assez d'argent, il ne se comportait pas comme un homme, il n'y a plus de Nutella dans le frigo. Ça, voilà, on est à peu près à ce niveau-là, où je ne me sens pas bien, etc. Ce qui est correct, en fait, il n'y a pas de problème, chacun est libre. Mais après, quand il y a des conséquences, il ne faut pas les attribuer aux hommes, c'est quoi le problème? Mais ça, je dis, dans la société, d'une manière générale, tous les maux des femmes, c'est de la faute des hommes. À aucun moment, les femmes prennent leurs responsabilités. Et quand j'ai regardé sa vidéo, et après, je vais démonter évidemment ses arguments, c'est facile. Hein. Quand j'ai regardé sa vidéo, ça m'a fait penser à une vidéo qui a buzzé récemment. Je te laisse regarder ça, je pense que tu vas apprécier. Donc du coup, docteur, j'aimerais savoir, est-ce que c'est notre faute ça aussi? La manière dont la demoiselle elle agit, est-ce que c'est nous ou pas? Est-ce que c'est la faute des hommes? Donc ils n'ont pas eu le culot quand même de dire que c'est la faute des hommes. Ça va, ça va. Donc pour te mettre un peu dans le contexte, c'est parce qu'en fait, ils viennent de graduer. Donc graduer, c'est quand tu as ton diplôme. Et en fait, il y avait deux fils. Il y avait la dame que tu as vue là qui s'est fait arracher le micro par la Renoir, qui en fait faisait à droite, à gauche comme ça, pour que tu puisses donner ton nom. Donc il donne un nom, Gérard, Géraldine. Donc on la voit, elle fait ça, elle fait comme ça à chaque fois, de gauche à droite, ok? Et quand c'est arrivé à elle, la meuf là que t'as vue, bah elle a décidé que non. Elle voulait parler, voilà, tu l'as vue faire son cinéma, très féminine, hein, cette femme d'ailleurs. Hein. Tu la vois faire son cinéma, voilà, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Et en plus, je te raconte quand même. Et en plus, après, elle a voulu sortir la carte du racisme. La carte de la victimisation, évidemment. Elle a dit, mais en fait, c'était une dame qui avait un certain âge, blanche, qui était raciste et qui ne voulait pas que je donne mon nom parce que mon nom était trop long et elle ne voulait pas que je dise mon nom entièrement. Donc ça, c'était sa première version et tout le monde a fait, ah ouais, j'avoue, c'est inadmissible, etc. Et après, on a vu une meuf qui a témoigné, qui a dit, une Renault aussi, qui a dit, non, c'était pas du tout ça, la dame faisait comme ça. Et après, on a vu une vidéo où on la voit faire, la dame. Ouais, fait comme ça, tu donnes ton nom rapidement. T'as à peine le temps de dire ton nom, prénom, elle faisait comme ça. Tu dis ton nom, prénom, tac, elle faisait comme ça. Ok? Elle est arrivée, elle a pris comme ça. Et tu sais quoi? Sur son Instagram, elle a dit, ouais, pour tous les gens qui disent que ouais, j'ai abusé d'agir comme ça, sachez que je suis une black woman in America, donc aux États-Unis, et je suis toujours dans le bon côté. Donc voilà. Merci, en tout cas, merci pour la cause, hein. Je pense que elle, si elle était en France, la dame là qui tenait le micro, je pense que si elle était en France, le prochain vote, c'est Le Pen, hein, direct. Il n'y aura pas eu de réflexion, de machin. Qu'est-ce qu'elle aurait été raciste ou pas?
Hein. Donc, faut arrêter de voir du racisme partout, il faut la victimisation. Ça, ça m'énerve. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais donc, pour revenir, docteur, premièrement, par rapport à ce que tu dis, je ne comprends pas pourquoi, à aucun moment, tu as pris en compte le fait que peut-être que le féminisme a joué son rôle par rapport à ça. Tu ne penses pas que le féminisme pousse les femmes à devenir des hommes, à rentrer en compétition avec des hommes, à être fortes et indépendantes? Non? T'as pas l'impression que ça, c'est des traits de traits masculins? Et deuxièmement, par rapport aux enfants, ouais, comme les pères, ils sont pas là, etc. Donc, du coup, ça crée des femmes masculines. Moi qui ai voyagé un petit peu, hein, j'ai été en Thaïlande, j'étais en Roumanie, j'étais en Colombie, ça, je pense que t'es au courant, Colombie, République d'Homme, Brésil. Bref, j'ai fait pas mal de pays, ok? Et dans la plupart de ces pays, comme ça, il y a beaucoup de mères célibataires. Et les gars, ils se barrent, ok? Les gars, ils font des enfants et après, ils se barrent. Et elles, elles n'ont pas des aides, hein. Elles n'ont pas le gouvernement qui les aide ou je sais pas quoi. Les gars, ils font des enfants et ils se barrent. Et elles se retrouvent tout seules avec leurs enfants. Alors, c'est triste, évidemment, on est d'accord avec ça. Mais tout ça pour te dire, c'est que bah, malgré ça, ça reste quand même des femmes féminines. Ça reste des femmes qui veulent prendre soin d'un homme, qui veulent prendre soin de leur mari si elles peuvent en avoir un. Ça reste des femmes féminines. Alors, comment ça se fait que dans les autres pays, soi-disant pauvres, les femmes restent quand même féminines, malgré les gars n'ont pas une bonne réputation et qu'ils font des enfants et après ils se barrent, comment ça se fait qu'elles restent féminines quand même? Et c'est marrant, les pays que je viens de te citer, ou les pays où, en tout cas où c'est comme ça, où elles sont quand même féminines, eh ben, le féminisme n'a pas eu autant d'impact que dans nos sociétés. C'est la seule différence que je vois. Donc voilà, docteur. Enfin, c'était pas difficile de démonter tes arguments. Il suffit juste de regarder un petit peu par la fenêtre, voilà, et tu vois un petit peu ce qui se passe ailleurs, et tu te rends compte que bah, finalement, peut-être que mes arguments ne sont pas si pertinents que ça. Mais faut arrêter de blâmer les hommes pour tout ce qui... Enfin, c'est incroyable, quand même. Donc là, bref, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec moi, je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. En gros, tu verras étape par étape comment créer ton business en ligne avant de créer l'arnaque. Regarde quand même. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec moi, tu as mon groupe des 10% qui s'appelle Zion. Tu as ton description. Clique sur le lien qui est dans la description. Je donne toutes les infos. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je les ai encore.